Et je suis très honoré de recevoir ce prix magnifique d'une célèbre université, la plus ancienne université existante dans le monde, qui, dès le XIIe siècle, a manifesté l'apparition d'un nouveau centre de savoir et d'enseignement qui est devenu dans le monde entier aujourd'hui un foyer essentiel. L'honneur qui m'est fait, j'en suis d'autant plus heureux que les motifs indiqués dans la fondation de ce prix vont tout à fait dans le sens de ce qui m'a toujours éclairé et poussé pendant mon long travail d'enseignant dit d'historien. L'histoire est d'abord nécessaire parce qu'elle est une leçon de vérité. Elle doit s'appuyer sur des documents, elle doit les discuter, c'est sa première vertu, être une maîtresse de vérité et d'esprit critique. La mémoire peut se tromper, la mémoire peut être aveuglée par la passion, l'histoire doit être objective, ou mieux, elle doit être vraie. L'histoire apprend à l'humanité entière d'où elle vient, ce qu'elle est et laisse entrevoir vers où elle va. L'histoire domine et éclaire l'avenir et le présent et ouvre la porte vers le futur. Par conséquent, l'histoire doit pouvoir être connue et comprise par tous. Il doit suffire d'un minimum de formation intellectuelle pour que l'on s'intéresse à l'histoire. Les enseignants d'histoire, les écrivains d'histoire doivent se préoccuper d'être accessibles à tous, et en particulier à ceux qui feront le futur de la société humaine, c'est-à-dire les jeunes et les étudiants. Je suis évidemment surtout ému et honoré par le fait que cette célèbre université a donné mon nom à ce prix magnifique et important. Mais je suis surtout heureux que l'Université de Bologne ait défini la façon dont l'histoire doit être faite, avec méthode, esprit critique, à la recherche de la vérité, et doit être expliquée de façon à être non seulement comprise par tous, mais éclairée. Chaque homme, chaque femme, depuis sa jeunesse, pour la connaissance du passé qui est nécessaire pour améliorer le présent et préparer
un meilleur avenir. L'histoire est, je crois, le phare de l'humanité et cet arc, c'est là-dessous que doit passer cette vérité. Grazie.